envoyez une URL à partir de l'extension Classroom. À gauche, un enseignant, à droite, l'environnement d'un élève. Tous deux ont ajouté l'extension Classroom qui s'affiche dans leur navigateur Chrome. Cela donne accès aux cours individuellement ou aux raccourcis qui ouvrent l'environnement de Classroom dans un nouvel onglet, et ce, autant pour l'élève que l'enseignant. Voyons maintenant comment utiliser cette extension pour envoyer une URL à tous nos élèves. On sélectionne le cours, puis notez que trois options sont disponibles. Nous allons choisir la première, donc il s'agit de sélectionner la page que nous désirons partager à l'élève. Je vais ici choisir par exemple un site de grammaire. Alors, on envoie tout simplement l'URL. Automatiquement, si on regarde dans l'environnement de l'élève, il y a un message qui s'affiche et un onglet s'ouvre automatiquement avec la page en question. Et l'élève n'a pas besoin d'être dans Classroom pour y accéder. Mais toutefois, ce qui est important, c'est que l'élève doit avoir l'extension Classroom pour que cette façon de procéder puisse fonctionner. Si ce n'est pas le cas, il s'agit de lui demander d'aller dans le Chrome Web Store, taper Classroom, puis l'installer.